Pour s'attaquer à la surpopulation carcérale, le plan prison prévoit la création de 7000 places livrées d'ici la fin du quinquennat et le projet de construire 8000 places supplémentaires, sans toutefois préciser les implantations de ces nouvelles prisons. La région attend notamment la construction d'une maison d'arrêt de 600 places à Muret. La problématique sur la région Occitanie, c'est qu'on a une moyenne entre 300 et 500 matelas au sol. Donc ça veut dire qu'il manque entre 300 et 500 places. La déception, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas si à Muret, il y aura une future prison, si à Nîmes aussi ou si à Perpignan aussi. Voilà. Et nous, c'est les attentes qu'on voulait et qu'on n'a pas au jour d'aujourd'hui. On n'a rien du tout, si ce n'est que du papier, avec des 7000 places, mais on ne sait pas à quel endroit et de quelle façon. L'objectif de ce plan prison est de réduire de 8000 le nombre de détenus. Une autre mesure porte sur la réduction des courtes peines. Elles sont interdites en dessous d'un mois. Entre 1 et 6 mois, des peines alternatives seront mises en place, comme par exemple des travaux d'intérêt général. Ce qu'on craint, c'est tout simplement que les délinquants n'aient encore ce sentiment d'impunité ambiant qui prévaut depuis très longtemps. Les peines étaient déjà très insuffisantes selon la nature des délits commis, notamment les agressions sur les forces de l'ordre. Et aujourd'hui, eh bien, des peines alternatives ou de substitution qui ne seraient peut-être même pas exécutées, c'est un très mauvais signal qui est donné. En tout cas, ça ne va pas dans le sens de ce qu'attendent les policiers. Dans l'ex-région Midi-Pyrénées, la surpopulation carcérale est une réalité. Le taux d'occupation de nos prisons est en moyenne de 168%.